salut tout le monde. Alors, vous connaissez le résistant super fâché Olive Olive? Quel est ce projet? Si vous connaissez pas, voici une analyse de sa part sur la guerre en Ukraine à base de gaz de chips. Et ça, vous avez les États-Unis qui sont en plein développement aussi sur le gaz de chips. Alors Olive Olive, il vient de sortir une boutique, mais c'est pas une boutique pour faire de l'argent, hein. C'est une boutique solidaire. D'ailleurs, il écrit sur le site. Et bon, il va quand même pas mentir, quoi. Les gens ne mentent pas. Allez, attendez. Et donc sur cette boutique, vous pouvez afficher votre soutien à Olive Olive avec une tasse Olive Olive, la vérité vraie, un t-shirt, un pull comme ça. Bon, je sais pas quel genre de personne porterait un pull Olive Olive dans la rue, mais voilà, vous pouvez le faire. Par contre, ce que je trouve bizarre, plusieurs choses, c'est que il nomme pas les associations à qui il va donner de l'argent. Voilà, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'effectivement, je sais pas, je connais des gens qui ont fait ça, ça permettait qu'on puisse pas les demander aux assos, est-ce que c'est vrai qu'Olive Olive vous a donné de l'argent? Mais bon, voilà, je fais que poser des questions. Autre chose aussi que je trouve un peu bizarre, c'est que, quand on va voir dans les conditions générales, on trouve qu'en fait, c'est hébergé par une société qui s'appelle MBT, et que donc l'argent va là-bas, et cette société, bah, elle est à Dubaï. C'est bizarre. C'est quand même un peu... Mais bon, je fais que poser des questions. Mais néanmoins, pour quand même rassurer les gens, il y a des témoignages. Et donc, en témoignages qui prouvent qu'Olive Olive est quelqu'un de probe, eh ben, on a les témoignages de Myriam Palomba et de la maman d'Olive Olive. Bon, voilà. Si après ça, vous doutez encore qu'il y a une arnaque, franchement, vous êtes vraiment méfiant et il faut arrêter de suivre les médias mainstream, hein, d'accord? Achetez des tasses maintenant! Achetez des tasses tout de suite! C'est pour la solidarité!